Salut. Hein? Oh, salut, salut. Bon, au revoir. Vous jouez drôlement bien. Ah oui, vous aussi. Radio Rectangle, c'est magnifique. Au tennis, vous êtes fabuleuse. Oui, alors au volant, il n'y a pas pire danger public. Hein. Alors ça, dans le monde entier, aussi bien en Europe qu'ici, que partout, même en Asie. Bonjour et bienvenue dans Hobby numéro 48. Qu'est-ce qui se passe, qui êtes-vous ? Marc Wathieu. Hobby est une plongée en apnée dans les grands fonds de la chanson en français. Hobby est aussi et surtout une émission thématique. Thématique. Aujourd'hui, on joue au tennis. Vous êtes prêtes, mesdames ? Faut être capable, à cette allure, à ton niveau, de tenir au moins 10-15 échanges sans problème. Alors tu vas te concentrer. Là, il faut absolument faire au moins 10 balles de suite sans faute. Ok ? Le plus beau de tous les dieux du stade, le prototype qui plaît aux femmes, champion plein aux as, couvert cubé de badge, tennisman, c'est un playboy, un gentleman, tennisman, qui a ses son fade, ses colères, ses sueurs sont froides, vite oublié près d'une fille aux yeux de jade. Tennisman, tennisman, c'est un playboy, un gentleman. Tennisman, tennisman, qui a ses we'll be right back.
L'effort que nous allons faire aujourd'hui, on va travailler, c'est le jeu de jambes. Alors, vous avez bien compris ce qu'on appelle le pas de replacement. Ce qu'il faut faire attention, c'est lorsqu'on frappe, d'être de cette façon, en double appui, de profil. Hein, on frappe comme ça et on se replace. Ok ? On va travailler le jeu de jambes. Hein, bien qu'au tennis, on joue avec le bras, le jeu de jambes est ce qu'il y a de plus important. Ok ? Ok. Au-delà de quel horizon vas-tu chercher sans le savoir? Jusqu'où s'étend cette prison où l'être humain vit son histoire? Toi, ton combat, c'est le tennis. On peut trouver ça dérisoire. Pourtant, dans nos livres d'histoire, partout la dérision se glisse. Dans toutes ces luttes illusoires, l'homme a-t-il jamais pris le temps de comprendre que ses victoires ne se justifient qu'au présent? Wimbledon ou Roland-Garros, depuis des années tu y penses. Et dans tous tes rêves de gosse, c'était comme une lancinance. Ton combat, toi, c'est le tennis, mais il commence bien avant que la grande foule envahisse le stade et que tu sois devant. Est-ce la gloire ou le pognon qui te livra l'impondérable, où tu explores l'insondable d'un point heureux, un faux rebond? Toi, ton combat, c'est le tennis, orgueil et talent confondus, avec au bras cet appendice, trois points gagnés, deux points perdus. Au-delà de quel horizon vas-tu chercher sans le savoir? Jusqu'où s'étend cette prison où l'être humain vit son histoire? Jusqu'où s'étend cette prison où l'être humain vit son histoire? Partout. Deux titres de 1977 pour démarrer cette émission. Tout d'abord Alain Chamfort avec Tennisman, enchaîné à Pierre Barou avec Le Tennis sur l'album Viking Bank. On écoute à présent l'hymne de Roland Garros en 1984 par le groupe Passing Shot. Le central est plein à craquer. Gagné, ça bouge, ça colle, le public est chaud. Je sens la sueur froide qui me coule dans le dos. Oh, le soleil tape 40 ballons, je frappe la balle 2000 à l'heure. Les lunettes brillent, le sol appétit, j'éponge la sueur. Roland Garros au centre dans le match, ma volée explose sous les flashs. Je mate une blonde, le match démarre à fond de cale. Balle court, travers chopé et monté, collé au filet. Il lift un lob et je claque un smash. Couronne liftée, revers chopé. Ouh, coup droit lifté, revers chopé. Passing shot, shot, shot. Passing shot, shot, shot. Je longe, je couvre, courant lifté et le long de la ligne. Out! Crie le juge de ligne, il dort ce mec, quoi, c'est pas vrai. La balle blanchit, j'ai bien regardé. Je chope les glandes, je vais craquer. Oh, je regarde la balle et serre mon gris, il fixe l'adversaire. Il craque. Oh, frappe, attaque, mais la pression, on full ace. Je serre le gond, double faute et 0-15. Passe un retour gagnant. 0-30. Passe
bras liftés. Lift, lift, lift. En air chopé. Chop, chop, chop. Ooh. Ooh, le bras liftés. Lift, lift, lift. En air chopé. Chop, chop, chop. Si, chop, chop, chop. Merci. Chop, chop, chop. Si je pars, tie break. Justine, vous étiez soutenue par le roi des Belges. Évidemment, il y a une fierté nationale. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour toute la Belgique en général. C'est quand même une situation assez exceptionnelle d'avoir deux filles comme nous en finale ici à Paris. Je pense que la famille royale était vraiment émue. Ils étaient là au grand complet. C'est un véritable honneur, évidemment, qu'ils se soient déplacés. J'espère qu'en tout cas, ils ont apprécié. Une chemise, un short et un survêt, deux boîtes de balles et deux. Les fins de mois, les dîners d'affaires, j'ai tout laissé dans les vestiaires. Je suis fin prêt pour mes deux sets. Je mets toujours deux paires de chaussettes. Me voilà devenu Noah, Jimmy Connors ou Panatta. Pas un malheur, mais faire mettre les pendules à l'heure. Je lui place un passing de revers. La balle nous quitte et on la perd. Vous n'avez qu'à regarder Villas. Il fait la même chose et lui, ça passe. C'est le filet qui est trop haut pour moi. Ou les nuages qui sont trop bas. Corps de coup droit dans les bâches, la tension monte et les nerfs lâchent. Avantage H. Je vais tenter des amortis à épater Victor Perchi. Merci. J'ai du ciment sous les talons, comme si je prenais ma première leçon. Faut trois fois rien pour que je l'écrase. Il me manque le coach de Nastase. Après la légèreté du tennis de Philippe Laville, on écoute une incroyable fresque tennistique. S'il vous plaît, un peu de silence, merci. C'est Michel Legrand, la partie de tennis. Il est au service, je suis au supplice, sur ce grand cours de tennis. L'arbitre tout là-haut note le scénario, vivement qu'on en finisse. Le voilà qui frappe, la balle s'échappe de sa raquette en acier. Et m'arrive en trombe, sans qu'elle ne tombe, à l'endroit où j'attendais. Psychologiquement, je sais bien que ce n'est pas bon de perdre son premier point. Il m'a pris en traître, ce n'est pas un coup de maître, quelle espèce de sagouin. Avec sa gueule torve, il est plein de morve, je vois bien que c'est un minus. Il joue comme une brute,
déploie aucune astuce. Il se met en place sans que ça traînasse et m'envoie un de ses boulets. Je place ma raquette là à l'aveuglette et ma balle va dans le filet. C'est pas la famine, 30 points dans les narines, attends un peu quelques instants. Que je me ressaisisse de ces injustices, il me prend pour un débutant. T'emballe pas trop mon petit bonhomme, car si tu m'as pris pour une pomme, je vais te montrer comment on remonte un handicap. Je vais en deux, trois coups de sape te massacrer. Si j'ai moins de technique que les Britanniques, je peux sortir mon jeu vicieux. Car moi, dans la panique, je commence à être astucieux. Il relance sa balle de manière brutale, cette fois je l'ai rattrapé. Et dans la foulée, je monte au filet, zut, je le passe à côté. C'est 40 à 0, il se croit un héros, il me fait une amortie. Je me précipite, mais sans réussite, il a la première partie. Ce n'est rien, non ce n'est rien, il ne faut pas que le moral s'approche de la morgue. Car ce petit mec en face de moi, s'il joue pas mal, en tous les cas, ce n'est pas morgue. C'est pas non plus Nastase, il n'a eu que du vase. Maintenant ça va changer. C'est à moi de servir et je ne vais pas m'en priver. Je bombe le torse, mais toute ma force, j'envoie la balle avec rage. J'entends crier faute, alors je sursaute, c'est une erreur d'arbitrage. Voilà bien ma chance, car toute ma puissance est dans mon premier service. Ma seconde balle, elle ne se trimballe qu'à la vitesse d'un Suisse. Cependant, je la tortille un bras, mais c'est le pire que je crains, vu sa lenteur. Ça ne rate pas, il me renvoie ce que jamais on ne prévoit, tout en hauteur. J'ai le soleil en face, toute vision s'efface, droite ou gauche, où me jeter. Je fais ça à pile ou face, merde, je suis du mauvais côté. Ma balle est trop haute, c'est une double faute, je commence à m'énerver. Toutes mes tentatives imaginatives me restent dans le gosier. Mon coup droit magique, en toute logique, était mon meilleur moyen. Quant à mon revers, c'est ce qui m'a fait classer, or je ne comprends plus rien. J'ai beau m'appliquer, me concentrer, m'efforcer d'être bien placé, tout essoufflé. Je cours en avant, il me fait un lobe, quand je recule une amortie, c'est à hurler. Je regarde l'arbitre, derrière son pupitre, qui se marre doucement. Il est con comme une huître, ça me paraît bien évident. Et les balles pleuvent, de belles balles neuves, à gauche à droite, explosif. C'est comme la foudre, il faut me résoudre à jouer un jeu défensif. Plus je me recule, plus je gesticule, je suis contre le grillage. Tout le temps il attaque, je sens que je craque, mais soudain là-bas, que vois-je? La femme que j'aime s'en aller au bord d'un type efféminé. Non mais je rêve. Les copains venus me voir jouer discrètement se sont levés, mais ça m'achève. J'ai perdu les trois manches, ah quel beau dimanche. Je ne l'avais pas mérité. Le tout en avalanche, mais qu'est-ce qu'il va me rester? Et la face triste, comme les artistes, je rentre seul tel un chien. Je me fais des nouilles, puis je m'agenouille, il ne me reste plus rien. Je mets ma raquette dessous la banquette. Je noie mes envies dans de l'eau de vie. J'en ai la jaunisse de jouer au tennis. Qu'est-ce que t'as voulu faire? Une sorte de lob lifté. Ah, c'est marrant, ça t'a jamais su lifter. Je t'ai demandé personnellement de ne pas lober cette semaine. Pour suivre un titre de Sugar and Tiger, derrière ce nom se cache la famille de Didier Wampas. Les enfants, son ami, tout le monde est à bord pour ce titre qui s'appelle Tennis Girls in Gringoland. Elle s'habillait toujours en rose et blanc, à la recherche du divin prince charmant. Pourvu qu'il soit juste un peu langoureux, elle s'habillait toujours en rose et blanc. Comme à l'enterrement d'un skinhead, comme à l'enterrement d'un skinhead, comme à l'enterrement d'un skinhead, comme à l'enterrement d'un skinhead. Allez! Elle jouait au tennis sur l'île Saint-Louis, juste à côté de chez Georges Moustaki. Leur petit pull rayé en bandeau,
swingant comme les danseuses d'avant-hier. Comme pour le mariage d'un gringo, comme pour le mariage d'un gringo, comme pour le mariage d'un gringo, comme pour le mariage d'un gringo. Et embrassait les chances dans le noir. Nous ne savions pas comment nous y prendre. Et elles swingaient comme les danseuses d'Ostende. Comme pour la naissance d'un gringo, comme pour la naissance d'un gringo, comme pour le baptême d'un gringo, comme pour le baptême d'un gringo. Ça ne s'arrêtait pas. C'est souvent quand c'est un peu comme un dialogue. Je veux dire, quand ça commence, quand l'échange est lancé, une fois que le retour de service a été fait, il commence à y avoir comme un dialogue. Et bon, ben là, ça s'arrêtait plus. On n'en voyait plus la fin. Et à la fin, finalement, je suis monté au filet. Et il m'a fait un passing. J'ai pratiquement plongé. J'ai fait une volée gagnante, mais à bout de force. Je veux dire, je pouvais pratiquement plus. Et c'est la première fois de ma vie, en fait, que je voyais Borg aussi essoufflé. Dire, il s'est arrêté, il a pris son souffle, tout le public était debout, je veux dire, ils n'ont pas arrêté pendant 5 minutes, et c'était vraiment fantastique. Et ce sont des points comme ça qu'on oublie, enfin des points, moi c'est le seul point en fait qui m'est laissé vraiment un souvenir comme ça. Lui il en a peut-être eu d'autres, mais c'était vraiment un moment fantastique. Sur eux-mêmes, champions solitaires, plein de mystères. Ils visent une même cible qui semble inaccessible. Ils se dépassent dans les ports pour un fantasme en or. Aller autour, de long en large, sur les cours. Ils poursuivent un même rêve qui rebondit sans trêve. Dévoués à leur passion, ils s'entraîneraient nuit et jour, par fierté ou pour leur nation. Encore et toujours, les uns parlent du plaisir de gagner une compétition, d'autres additionnent les points ou comptent le pognon. Ils sont ce qu'ils sont, tantôt merveilleux, tantôt un peu cons ou très ambitieux. Attachés à l'attaque ou défoncés en défense, volleyeurs naturels ou joueurs de conscience. Sur la terre battue, sur le gazon, sur la moquette ou goudron, ils incarnent les idoles, tantôt anges ou démons. Un jour l'un d'eux m'a dit, c'est comme la vie en général, garde à l'esprit la balle dans le cœur du tamis. Toujours en mouvement vers l'avant, respire à fond et serre les dents, respecte l'autre et n'oublie pas. Depuis Mathusalem, ton pire ennemi c'est toi-même. Oiseau en short, migrateur sans escorte, jeune fille aux poignets de fer qui parfois se laisse faire par des amis entraîneurs ou drôles de managers qui remplacent leur famille, qui les rassurent ou les effrient. Adolescents exigeants ou capricieux souvent, ils se videraient de leur sueur pour être le meilleur. Un jour l'un
doucement vers l'avant. Respire à fond et serre les dents. Respecte l'autre et n'oublie pas. Depuis Mathusalem, ton pire ennemi c'est toi-même. Donner tout ce qu'on a, se sortir les entrailles. Tant de sacrifices, pourquoi? Pour serrer une médaille. Non, plus que la gloire, au-delà de la victoire. La plus belle des récompenses que chacun espère en silence, c'est pouvoir un jour lever les bras devant son pays, devant les médias, tout simplement devant son papa. Mais d'ici là, un jour l'un de ma vie, c'est comme la vie en général. Garde à l'esprit la balle dans le cœur du tamis. Toujours en mouvement vers l'avant, respire à fond et serre les dents. Respecte l'autre et n'oublie pas, depuis Mathusalem, ton pire ennemi c'est toi-même. Garde à l'esprit la balle dans le cœur du tamis. Toujours en mouvement vers l'avant, respire à fond et serre les dents. Respecte l'autre et n'oublie pas, depuis Mathusalem, ton pire ennemi c'est toi-même. You asked the referee how long we're supposed to play in this weather? You asked the referee how long we're supposed to play in this weather? No, I want you to ask him again how long we're supposed to play in wet, rainy conditions. Okay? And I'd like you to give me an answer when I come back. All right? Ask him now. Monsieur McEnroe demande combien de temps il est supposé jouer sous cette pluie qui pleuvine et il voudrait une réponse immédiate. Je lui dis qu'il devait jouer jusqu'à ce qu'on nous donne des instructions contraires. Là, j'arrive. Non, tous les matchs sont annulés pour aujourd'hui. Avant qu'il pleuve, avant que McEnroe ne s'énerve, on écoutait Charles-Élie Couture avec le titre Les Champions, tennis métaphore. Pour suivre, on écoute Dionysos avec un titre en anglais qui s'appelle précisément McEnroe's Poetry. I feel like John McEnroe.
McEnroe. I feel like John McEnroe. Si jamais tu t'es lassé de m'enlacer, m'embrasser, alors il vaudrait mieux me remplacer. Je ne vais pas tout casser, oh ce serait déplacé, puis surtout qu'il faudrait tout ramasser. Tu vois, tout est effacé. Je fais déjà partie de ton passé. Faut toujours se surpasser quand on veut rester classé. Mais Wimbledon, tu sais, j'en ai assez. C'était David McNeil avec Wimbledon. C'était une petite Anglaise, ne vous déplaise, vraiment très bien. Lui, c'était un charmant jeune homme, sportif en somme, très parisien. Comme elle portait sous le bras une raquette, il lui demanda de façon très discrète. Promis, promis, venez donc faire un tennis, on fera quel délice, notre petite coupe Davis. Promis, promis, et si je suis vainqueur, je veux gagner votre cœur. Ne soyez pas coquette et faites bien attention, j'ai un coup de raquette à faire peur aux champions. Promis, promis, au beau jeu de tennis, gagne tous les sept et hop avec la balle d'un lop. Ils jouèrent toute une matinée, puis une journée, et puis des mois. En se livrant de grandes batailles, sans qu'ils défaillent dans leur tournoi. Entre deux jeux, rougissant à l'extrême, ils lui disaient tendrement, je vous aime. Promis, promis, venez donc faire un tennis, à nous deux quel délice, on fait de notre coupe des vies. Promis, promis, comme une balle mon cœur, bondit près de votre cœur. Ne soyez pas coquette et faites bien attention, j'ai un coup de raquette à faire peur aux champions. Promis, promis, au beau jeu de tennis, gagne tous les sept et hop avec la balle d'un lop. Allons, allons, les enfants, on est entre amis, essayons de jouer fair play. Puis elle a claqué la porte en crachotant tout son venin, et que le diable t'emporte, toi et le tennis féminin. Je suis resté devant le poste de télé comme un crétin, à reluquer sans riposte un match de tennis féminin. Toutes ces jeunes filles en âge, gazelles courtes vêtues de blanc, sur fond de terre battues rouges, m'inspire des sentiments troublants. Après ces deux franches hardises, d'abord Robert Detré avec Omis venait faire un tennis, et ensuite Ribot, tennis féminin. Retour à la délicatesse avec Vincent Delerme, les jambes de Steffi Graf. J'ai manqué des passages, survoler certaines pages, sauter des paragraphes, les jambes de Steffi Graf.
j'ai laissé s'envoler les robes longues, les étés, les écharpes en hiver, les jambes d'Eyck et Dreschler. Je voulais revoir vos yeux dans l'autocar. Tout ce qui reviendra jamais, les jambes de Merlin à terre. Je sais pas où sont partis. Sabatini. Tu te rappelles quand je te disais que le tennis était un sport de gentleman? Oui. Tout ça, c'est des foutaises. Tout ce que je t'ai dit, d'ailleurs. Que des foutaises. Car je n'avais pas grand chose dans la tête, rien qu'une noisette. Mais je courais vite et je tapais fort, et j'avais un service en or. Roland Garros, si tu savais comme elle claquait les bas sur les côtes de Roland Garros. Comme un battement de cœur au-dessus des parterres de fleurs. Si tu savais, Roland, comme elles étaient légères, comme des battements de les balles sur les corps. Je ne peux plus pas les éviter.
garrot, explique-moi où sont parties les balles blanches de ma jeunesse. Celles qui filaient si haut au-dessus des pâtes de fleurs. C'est tout comme elles claquaient les balles de ma jeunesse. Comme un battement de cœur, si vous savez, prolonge. Comme mon battement de cœur, si tu savais, Roland Garros. Comme mon mi-corazo, si tu savais, Roland Garros. Il vient de recevoir en plein visage un des services les plus puissants dans les annales du tennis professionnel. 144 miles, soit 230 km/h. C'est de jouer au tennis sans filet, sans ligne, à la limite sans balle. On aurait le droit, alors moi je jouerais avec Zano, là-bas il y aurait une balle qui passera à travers. Et ça serait ça quoi, la liberté. Là ouais, vraiment pour être. Mais on a quand même des obligations. On vient d'écouter Brian Gulland, La Complainte de Roland Garros, une chanson de Patrick Modiano et de Hugues de Courson. Ensuite il y avait la magnifique Karen Cheryl, Rock'n'Roll Tennis, et on termine cette émission de Hobby avec Wilfried. Mes belles tennis.
Ça suffit largement. Allez, tire-toi. Et ne reviens pas. Ici Roland Garros, à vous les studios. C'est ici que se termine ce hobby spécial tennis. J'espère que vous avez passé un bon moment sportif, de rareté et de découverte. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Hobby. Alors à très bientôt sur le site de Radio Rectangle.